Un autre prix littéraire prestigieux, le prix Hans Christian Andersen, a aussi plébiscité cette année un écrivain chinois. Un des auteurs de fiction pour enfants les plus connus en Chine, Cao Wenxuan, a remporté le prix à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il est le premier écrivain chinois à décrocher la distinction internationale la plus prestigieuse de la littérature pour enfants. C'est une reconnaissance de mon œuvre littéraire et c'est aussi une reconnaissance du succès de la littérature pour enfants en Chine. C'est la première fois qu'un auteur chinois remporte ce prix. C'est une marque de reconnaissance pour la littérature chinoise pour enfants, mais aussi une reconnaissance mondiale. C'est la première fois que le monde va découvrir la littérature chinoise pour enfants. Les autres auteurs en lice pour recevoir le prix venaient du Danemark, d'Allemagne, des Pays-Bas et des États-Unis. Mais c'est Cao Wenxuan qui a conquis le cœur des 10 jurés qui ont décidé de manière unanime qu'il serait le vainqueur du prix de cette année. Le président du jury dit que les ouvrages de Cao ne dissimulent pas l'aspect parfois tragique de la condition humaine et le fait que parfois les enfants, eux aussi, peuvent être amenés à souffrir.